Salut tout le monde, bienvenue sur ce petit live. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, je termine un petit peu les petits réglages. Hein. On essaye toujours, hein, comme je vous dis, de s'améliorer. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous entraîner, donc c'est top. Et que vous avez la forme, tout comme moi. Donc je suis content. Voilà, n'oubliez pas, si vous arrivez, on va pas trop parler aujourd'hui. Ça va être une séance courte, d'accord? Ça va pas être comme celle du lundi qui dure à peu près 1 h 30. Aujourd'hui, c'est 1 heure grand max. Voilà, donc aujourd'hui on va aller vraiment sur du simple. Donc je vous rappelle, aujourd'hui il n'y a pas de karaté, c'est que de circuit training, remise en forme. Et voilà, donc si vous venez d'arriver, n'hésitez pas, bonjour Samuel, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu juste en dessous, voilà, c'est très important. Et de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche à côté de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, bienvenue à tous. Donc salut Nora, bienvenue. Donc voilà, en gros, je vous explique, aujourd'hui on fait court, d'accord? On avait tout hier pour parler, aujourd'hui on va faire simple et efficace. Donc, salut Jérôme, bienvenue à tous, bisous, n'oubliez pas le petit pouce bleu quand vous arrivez juste en dessous. Donc, je vous explique un peu le programme d'aujourd'hui, salut Souleymane. Donc, on va commencer déjà par un échauffement, évidemment. Ensuite, on va faire un circuit. Bonjour Angèle, bienvenue, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en dessous. Donc, on va faire un circuit, d'accord, que l'on va répéter 3 fois. Bonjour Alain, bonjour Patricia. On va répéter 3 fois ce circuit. Donc, on va commencer par une partie jambes, d'accord? On va commencer par une partie cuisse, jambes. Ensuite, il y aura une partie, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Hein. On va pas trop parler, on va direct agir, d'accord? Après la partie cuisse, il y aura une partie abdos, bras et gainage. Voilà. À la fin, une petite partie complète. Et on remettra ça, ce circuit, 3 fois. Voilà. Voilà. Et à la fin, bien sûr, étirement. Donc, voilà un petit peu les réjouissances qui nous attendent pour aujourd'hui. Et c'est parti, on va démarrer par un échauffement simple. Bonjour. Et super, c'est parti. Donc là, on démarre par un échauffement simple. On y va. Prenez un petit peu de place. Je recule un petit peu pour l'échauffement pour que vous me voyez bien. Allez, la tête devant derrière. Allez, sur les côtés. Allez, rotation de la tête dans un sens. Dans l'autre sens. Ok, allez, les bras devant, derrière. Allez, deux. Je vous rappelle à tous, hein, bienvenue pour ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, pas de karaté, hein, d'accord? Aujourd'hui, on est vraiment circuit training simple. Ça va être fente, abdos, gainage. On va travailler tout ça. Là, on est dans la partie échauffement. Je vous ai prévu un petit circuit très sympathique, très agréable et très complet que l'on va répéter 3 fois. Aujourd'hui, ça sera une séance courte et simple, d'accord? On va pas être comme celle de lundi, d'accord, qui est le cours de karaté le lundi. Là, c'est vraiment 1 heure max. Voilà, dans 1 heure, vous êtes libéré. C'est juste histoire un petit peu de garder la forme et de vous donner quelques idées que vous pourrez reproduire ensuite, même sans cette vidéo, hein, bien entendu. Voilà. Moi, j'essaye de vous donner quelques pistes. Et voilà. On met les mains sur les genoux. Hein. Je suis désolé pour l'angle à chaque fois. Je vous rappelle, je gère comme je peux. Mais essayez, voilà. On met les mains sur les genoux. On va faire des battements avant et arrière. Ok, maintenant on va faire des petits cercles avec les genoux. Dans l'autre sens. Ok, maintenant ici je descends et je vais essayer de toucher mes pieds. Allez. Ok, on remonte ici, allez, on passe jambes écartées ici, d'accord, et on va descendre un petit peu sur la jambe gauche. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Hein. N'oubliez pas, si vous venez d'arriver, de rajouter le petit pouce bleu juste en dessous et de partager éventuellement cet entraînement avec vos amis sur vos réseaux. Allez, de l'autre côté. Aujourd'hui, je rappelle à tous que c'est une séance courte et simple, d'accord, que tout le monde peut pratiquer, même des gens qui ne font pas beaucoup de sport. D'accord, c'est quelque chose qu'on va faire aujourd'hui, ça ne sera pas trop dur, pas aussi dur que celle du lundi. Allez, on va descendre à toucher son pied gauche. On va descendre, toucher son pied droit. Ok, maintenant ici, on va aller toucher une fois le pied gauche, une fois le pied droit. On y va, c'est parti. Allez, 1 et 2.
Ok, je vais plier ma jambe gauche. On va descendre ici sur la jambe gauche. On plie sur la jambe droite. Très bien, on va alterner gauche et droite. Allez, c'est parti. 1 et 2, on alterne. Ok, on va remonter gentiment. Super. Bougez pas, je vais enlever ça et ça, le chrono. Allez, ici, on va prendre les poignets, on va échauffer un petit peu les poignets, hein, c'est important. Bravo à tous, hein, si vous êtes sur cette séance et que vous êtes motivés pour vous entraîner, félicitations à vous si vous êtes là. Ok, maintenant ici, vous ne voyez pas, mais vous allez ici bouger un petit peu hein, les chevilles. D'accord, bougez, échauffez un petit peu vos chevilles, vous pouvez faire en même temps les poignets. L'autre côté, l'autre cheville. Ok, ici on va étirer un petit peu le bras. Vous allez prendre le bras ici, vous le passez sur le côté, vous attrapez et vous serrez. Hop. Très bien. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas le petit pouce bleu et on clique sur s'abonner et la petite clochette à côté. Allez, l'autre côté. Ok, très bien. Juste on termine ici, on va bien monter vers le haut. Allez, on monte bien vers le haut. Et on descend. On reprend une fois. Merci pour les commentaires. Je vois pas forcément tout le monde, mais merci. Hop, on remonte et on descend. Et une dernière. J'inspire. Et je descends. Ok, juste pour réchauffer les jambes un petit peu simplement, on va faire des petites montées de genoux, mais simples. Pas accéléré pour l'instant, c'est-à-dire simplement je monte le droit, je monte le gauche. Je suis là ici, 1, 2, 3. D'accord, simplement on va monter les genoux tranquille, hein, voilà. C'est pas explosif, là c'est, on est toujours dans l'échauffement. On y va, on va monter les genoux 20 fois, là on est encore dans la partie échauffement. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok les amis, là on est content parce que c'est le moment où on va kiffer. Donc là on va commencer vraiment le circuit. Donc voilà, ça c'était l'échauffement. Donc là vous ne devez pas être fatigué, hein, bien entendu, c'était juste l'échauffement aujourd'hui. Je vais un petit peu vite parce que je rappelle que je veux vous garder, c'est volontaire, une heure max. Parce que voilà, je ne veux pas que vous vous lassiez et je veux que ça soit une séance agréable en même temps. Donc ici on va commencer le circuit. Donc d'abord on va faire des exercices pour les jambes et les fessiers. D'accord, on va commencer donc debout. Ensuite, après, tout de suite après, préparez à côté de vous, si c'est possible, un tapis. Moi, j'ai mon tapis qui est à côté, puisque là, vous allez suivre l'exercice au fur et à mesure, direct. Après, on descendra sur le tapis. On passera pour la partie abdos, gainage et les bras. D'accord. Et on finira par une petite partie complète. Voilà, je vais vous laisser découvrir la surprise au fur et à mesure du circuit. Et ce circuit, on le refera 3 fois. Donc, soufflez un tout petit peu et on va démarrer. Prenez votre tapis à côté si besoin et on va démarrer. Allez, j'imagine que vous avez soufflé. Donc, je vais remonter un petit peu. Pour l'instant, on est debout. Hop. Donc, on va commencer. Je vous explique en même temps, vous m'entendez là. On va commencer par, d'accord, tout simplement 20 flexions. Ok, 20 flexions. Ensuite, on fera 20 fentes avant et 20 fentes arrière. Ok, donc très simple. Ici, je suis là. Je suis ici, d'accord. Vous pouvez mettre les mains devant comme un équilibre, en garde, comme ça vous arrange. Et on descend ici 20 fois, ok. Allez, attention, c'est parti, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Gardez le dos droit, 7. 8, 9 et 20. Ok, tout de suite ici, on va passer. Vous mettez les mains derrière la tête. D'accord, on va passer en fente avant. Ici, je descends. D'accord, cette fois-ci, je vais baisser un peu la caméra pour vous voyez. Mais je pense que vous connaissez tous. C'est un exercice hein, très connu. Mais je vous remontre. Fente avant. On fait 20 fois et ensuite, on fera 20 fentes arrière. On y va. Donc, je suis ici.
et je vais descendre ici la jambe pliée devant, d'accord? Allez, ici, 1, on change de jambe à chaque fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, ok, on va faire les fentes arrière, on y va ici, c'est-à-dire là, je descends la même fente, d'accord, mais je vais descendre en arrière, ok, ici, 1, on va descendre en arrière, à chaque fois je change de jambe, vous pouvez mettre les bras devant ou là comme vous préférez, une petite mouche qui est venue, allez, attention, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, pour finir la partie jambes simplement, on va faire 20 montées de genoux rapides. Attention, et top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok, prenez votre tapis tout de suite. On passe au sol, c'est parti. On passe au sol, les amis, tout de suite. Il n'y a pas de karaté aujourd'hui. Bon jobo, mon frérot. Donc, tu peux suivre. Mettez votre tapis, je prépare mon tapis. Tout de suite, on est toujours dans le premier circuit. Hein. Allez, ici, on commence 20 pompes. D'accord, donc on va commencer par 20 pompes classiques, bras écartés sur les mains. Si vous ne pouvez pas les faire, ou s'il y a des enfants, vous les faites sur les genoux. Allez, on y va, attention, c'est parti. Et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Tout de suite ici. Je mets mon tapis moi sur le côté pour que vous voyez. On va passer sur le dos, abdominaux classiques. C'est-à-dire ici, je vais m'allonger sur le dos, simplement, main derrière la tête, et je vais remonter ici. Jambes croisées, minimum 90 degrés. Pas ici, ça ne travaille pas. Il faut descendre. Plus vous descendez, plus ça va ouvrir ici. On va remonter ici 50 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 7, 10, 20. 30, 40, 50, on continue, 60, 70, allez encore 5, et 75, super. Tout de suite ici, maintenant, on va passer en pompe sur les poings, d'accord? Je mets pas ça vous pour que vous compreniez, on n'en fait que 10, on va essayer les pompes sur les poings en remontant les bras le long du corps ici. On va en faire 10, d'accord, 10 pompes, poings le long du corps. Allez, attention, on y va, c'est parti, 10 pompes, poings le long du corps, et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien, très bien tout le monde, bravo. Ici, jambes en l'air, on va remonter ici, jambes levées, on va faire des petits remontées avec les bras pour essayer de s'approcher des pieds, c'est pas grave si on ne touche pas, l'important c'est de faire des petites remontées, on va en faire 50. Allez, c'est parti, on y va. Ici, allez, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 et 50. Super, c'est pas fini, ne bougez pas, je vais chercher mon chrono. On est parti les amis pour une minute de gainage de face, d'accord? Une minute gainage de face. Le reste de face et je bouge plus. Attention. Allez, 3, 2, 1 et top, c'est parti. Allez, allez, on suit les amis. Hein. On est toujours dans le premier circuit.
Encore 25 secondes. Allez, on y est presque, 10. Et Yamé, bien joué les amis. Maintenant ici, on va passer en gainage sur le côté, d'accord? Donc on va passer ici en gainage coude. Là, ici, 30 secondes, on va se faire 30 secondes de chaque côté. Allez, attention. Allez, on y va. Et top, c'est parti, on y va. 30 secondes de chaque côté. J'espère que tout le monde va bien. Bravo à vous si vous êtes sur la séance, vous êtes des guerriers. Ça fait plaisir. Allez, encore 10 secondes. Super, on passe de l'autre côté. Et je relance 30 secondes. Allez, sur l'autre bras. 3, 2, 1. Et top, c'est parti, on y va. Encore 8 secondes. Ok, Yamé. Super. Allez, ici, on va passer deux faces. Enfin, là, je vais mettre face à vous. Restez, hein, restez. D'accord. Donc là, vous allez faire. D'accord, vous êtes ici sur les genoux. Un bras tendu, une jambe tendue. Vous voyez ou pas? Ça va comme ça? Est-ce que, voilà, je pense que vous voyez, on va rester 45 secondes de chaque côté. Allez, attention, 3, 2, 1, et top, c'est parti. Bien, les amis, bravo, je suis fier de vous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des guerriers, c'est que vous êtes en forme. Bravo. Allez, et je change 45. On passe de l'autre côté. Encore, encore. Allez, on reste, on reste. Bravo tout le monde. Je vous rappelle, c'est bras et jambes opposés. Hein. Si vous avez la main droite, c'est la jambe gauche qui est tendue. Bravo à tous. Encore. Et super les amis, bravo. Très bien. Bougez pas, je vais juste enlever mon petit tapis. Ok, maintenant on va juste finir le circuit, dernier exercice. On finit le circuit en complet par simplement on va se faire 30 secondes de gainage actif. Je suis sur les coudes ici, d'accord, en gainage, et je remonte, montez, coude, coude, bras, bras, coude, coude, bras, bras, 30 secondes. À la fin de ces 30 secondes, on va faire ici, mountain climber, hop, 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 les genoux qui se ramènent, d'accord. Donc en fait c'est 1 minute, 2 fois 30 secondes. Et à la fin de ça, on a fini le premier tour. Il nous restera deux tours comme ça à faire. Ok? Allez, attention, mettez-vous sur les coudes. 30 secondes. D'accord, 30 secondes de gainage actif, c'est-à-dire bras, bras, coude, coude, bras, bras, coude, coude. Et ensuite, après cela, directement, 30 secondes, mountain climber. Allez, on y va. 3, 2, 1, et top, c'est parti. Allez, 1, 2, 4.
Allez, encore les amis. Ok, 30 secondes sur les mains. Et on va ramener les jambes, c'est parti. Allez. Bravo tout le monde. Allez, encore. Allez, allez, allez. Et yamé. Ouh, super. Bravo les amis, soufflez un petit peu. On a fini le premier tour. Je vous laisse une minute pour souffler, boire si besoin. On refait ça une deuxième fois. Vous avez une minute pour souffler et boire, profitez-en. C'est ça qu'on aime les amis, c'est dans la douleur, dans le dépassement de soi qu'on progresse, d'accord? Si vous êtes là, c'est que vous bougez et que vous êtes motivé et je suis hyper fier de vous. Bravo. On va reprendre, deuxième circuit. Allez, encore 10-15 secondes, je vous attends et on repart. Allez, on va repartir les amis. Deuxième circuit, 20 flexions, 20 fentes avant, 20 fentes arrière, 20 montées de genoux rapides. Les amis, vous lâchez rien, c'est cool, super. Allez, on refait, début du deuxième circuit. Attention les amis, parce que là, on est toujours sur les mains. Allez, attention, on y va, c'est parti, 20 flexions. 1, 2, 3, 5, 9. 10 encore et 1, 5, 20, ok super, on passe en front avant, vers l'avant, main ici ou main ici, comme vous voulez, en garde, on y va, 1, 2, 3, 10 encore. 9 et 20. Super, en fente arrière. On descend vers l'arrière 20 fois. 4. 10, allez, allez, on y va. 20, super. 20 montées de genoux rapides. Attention, 20 montées de genoux rapides. Et top. 1, 5, 9, 10. 4 et 5. Et voilà. Ok, super. On descend. On passe à la partie avec le tapis. On ressort son tapis. Je vous redescends la caméra. Ramenez votre tapis. Allez, c'est parti ici, on descend sur les mains, 20 pompes, je vous rappelle. On y va les amis, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 6 et 10, 5,
et 20, ok. Je passe mon tapis sur le côté. On se met sur le dos. Abdominaux classiques. On remonte le buste. Et on y va, c'est parti. Dix. Vingt. Trente. Quarante. C'est mon tapis qui fait le bruit. 50, 60, 70 et 75. On passe en pompe sur les poings. 10 pompes en poing le long du corps. Attention les amis, on y va et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, ici on redescend. Jambes tendues vers le haut. Jambes tendues vers le haut. Et on y va, c'est parti. 50. Allez, 1, 3, 7 et 10. Vingt. Trente. Quarante. Et cinquante. On va passer au gainage de face. Encore bravo à tout le monde, les amis. Mon chrono. Où est-ce que j'ai foutu mon chrono? Excusez-moi les amis, je sais plus où j'ai mis mon chrono. Ah, c'est pas possible. Désolé. Où est mon chrono? Ne bougez pas les amis, je reviens, je vais chercher un autre chrono. Je sais pas où j'ai posé mon chrono. Excusez-moi les amis, hein. Bon du coup j'en ai pris deux à la place, j'espère que vous êtes toujours là. J'en ai pris deux autres pour être sûr de ne pas perdre. Excusez-moi, tout de suite on repart, une minute gainage simple. C'est bizarre parce que là je suis sur ma terrasse, personne n'est passé donc je vois pas où il a pu être, mais bon. Allez, on y va, des fois je suis très tête en l'air. Une minute de gainage de face. Allez, 3, 2, 1 et top, c'est parti. Désolé pour la petite interruption, au moins ça vous a permis de souffler. Bravo à tous, hein. C'est bien, vous lâchez pas. On est sur le deuxième circuit sur 3. Encore 25 secondes. Allez, 10 secondes. Ok, bravo les amis. Ici, gainage de côté, 30 secondes. Allez, on y va. 3, 2, 1. Et top, c'est parti, on y va. Allez, encore 10 secondes de ce côté. Ok, on change. L'autre côté, attention. 3,
2, 1, et top, c'est parti. Allez, encore 10 secondes. Ok, super. Ici, on va passer genoux, pieds tendus, mains tendues, jambes tendues. Allez, attention. 45 secondes. Et top, c'est parti, on y va. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Allez, encore 10 secondes. Ok, l'autre jambe. Enfin, l'autre bras et l'autre jambe. Super les amis, vraiment bravo. Vous savez, dans la vie, il faut se mettre dans le dur, il faut se dépasser, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Si vous êtes là, c'est que vous avez voulu sortir de votre zone de confort et bravo pour ça. Encore 10 secondes. Le confinement, il sera bientôt terminé, on espère. Il faut être prêt pour tout ce qui va arriver. Il faut être motivé, il faut avoir faim. Ok, super. Donc ici maintenant vous rappelez, je vous rappelle s'il y en a qui sont arrivés, on a une minute, donc ça va être 30 secondes de gainage actif. Tac, 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 tac. Coude-coude, bras-bras, coude-coude, bras-bras. Et ensuite, 30 secondes tout de suite, mountain climber. Allez, c'est parti. Celui-là, 7 minutes. Dites-vous, 7 minutes là, enfin 7 minutes, 1 minute. Et après, vous avez fini le deuxième circuit. Allez, il n'en restera plus qu'un. Attention, 3, 2, 1. Et top, c'est parti, on y va. Allez, gainage actif. Coude, coude, bras, bras. Encore. Ok, 30 secondes. Placez-vous sur les mains, mountain climber, on y va. Encore. Encore 5 secondes. Et yamé. Ouf, bien joué les amis. Fin du deuxième tour. Soufflez, une minute pour souffler et aller boire. On se retrouve pour le troisième tour. J'espère que vous appréciez autant que moi. Parce que je kiffe faire ça avec vous. N'oubliez pas de bien boire les amis. Ok les amis, on reprend dans 20 secondes. Bravo à vous si vous êtes là, vous êtes des bons guerriers. Et voilà, comme je vous aurais promis aujourd'hui, c'est quelque chose de court. D'accord, donc il reste maximum 25 minutes ensemble. Un circuit, ok, qu'on a vu, et quelques étirements, et on est tranquille. Pour aujourd'hui, vous vous sentirez bien dans votre peau, et vous pourrez vous dire, ah, j'ai fait mon boulot.
Travail accompli, vous serez fiers de vous. Souleymane, moi je m'arrête là, j'espère que tu vas comprendre à cause du ramadan. Je t'en prie, pas de soucis, bien joué Souleymane. Ok les amis, 10 secondes, on repart. Allez, je vous laisse 10 secondes et on repart sur le troisième circuit. Troisième et dernier circuit. Merci à tous d'être là. Je vous rappelle, n'oubliez pas, hein, j'imagine que vous l'avez fait, mais n'oubliez pas le petit pouce bleu en dessous, c'est important. Et si c'est pas fait, de cliquer sur s'abonner et d'activer la merveilleuse petite cloche à côté du bouton s'abonner. Avant de repartir, j'en profite pour remercier mon sponsor et équipementier Venom, d'accord, qui nous équipe dans les meilleures conditions pour faire les entraînements, pour faire les lives et pour tout gagner. Ok, on est reparti les amis. Troisième circuit, troisième et dernier. Donnez-vous, c'est le dernier, dernier effort et après on est tranquille. L'étirement c'est plus doux, ok. On commence, je vous rappelle, par 20 flexions, attention. Allez, on est chaud. Allez, 3, 2, 1, allez. 1, 2, 3, 5, 6. Et 10, encore. Et 20. Ok, ici, fente avant. On descend tout de suite, c'est parti. 1. On se remet au milieu, on descend en fente arrière. Attention, 1. Et 20. Ok, super les amis. 20 montées de genoux rapides, attention. On y va, top. Et 20, ok, bien. On passe en bas, on va descendre. Je descends la caméra, vous connaissez maintenant, c'est la troisième fois. On est parti pour nos 20 pompes. Attention, c'est parti les amis, 20 pompes. Et on y va, 20 pompes sur les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20, super, j'ai pas mis mon tapis, on va faire les abdos. Hop, mon petit tapis. Et c'est parti, on y va. Dix. Vingt. Trente. 40, 50, 60, 70 et 5. Super. Ici, on passe en pompe sur les poings. 10. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, super. On descend sur le dos. Jambes tendues. Et je vais toucher 50. C'est parti. 10. 20. 30. 40. Et 50. On va passer en gainage sur les coudes de face. Gainage sur les coudes de face. Attention. 1 minute. Gainage coude face. C'est pas le bon chrono celui-là, bougez. Allez, 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Bravo à tous si vous êtes là. C'est très très bien.
N'oubliez pas de garder une routine saine, les amis. Encore 5 secondes. Et Yamé. Super, on va passer 30 secondes, gainage côté. Allez, attention, 30 secondes, 3, 2, 1, et top, c'est parti, on y va. Sur le premier bras. Ok, bien joué, l'autre bras les amis. Attention, 3, 2, 1 et top, c'est parti pour l'autre. Allez, encore 30 secondes. 15, pardon, 15, 15. Cinq secondes. Et Yamé, super. Ok, maintenant ici, 45 secondes, vous vous rappelez. Je recule un peu pour que vous voyez. Jambes et bras, 45 secondes. Allez, 45 secondes de chaque côté, ce qui fait une 30. 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Encore 15 secondes de ce côté. Dix secondes. Et Yamé, l'autre, on y va. Levez bien la jambe, ça va travailler l'arrière de la cuisse, les fessiers. Si vous ne sentez pas, c'est que vous ne levez pas assez la jambe. Encore 8 secondes. Et top, ok, super. On va passer, dernier exo. Dernier exo, les amis. Vous vous rappelez, 30 secondes de gainage actif, 30 secondes de mountain climbing et après on passe aux étirements. Bravo à vous, vous n'avez pas lâché, n'oubliez pas le petit pouce bleu qu'on arrive à 20 pouces bleus. On est qu'à 19 là, allez. Est-ce que vous allez mettre le 20e pouce bleu avant qu'on démarre? Je vous laisse 3 secondes, 1, 2, 3, tant pis, on y va, c'est parti. Et gainage actif, 30 secondes, on y va. Encore 10 secondes. Et Yamé, mountain climber, 30 secondes, attention. Donc juste mon t-shirt qui s'en va. Allez, 3, 2, 1, et top. Allez. Encore 10 secondes. Allez.
Et Yamé. Oh, bien joué les amis. Ça fait plaisir, ça y est, terminé la séance. Ouh, bravo à vous. On va passer aux étirements. Je vous laisse souffler 30 secondes. Prenez votre tapis. Moi j'aime bien enlever mes chaussures pour l'étirement. Faites comme vous le sentez. On va passer aux étirements. Bien joué les amis, je suis très fier de vous. Si vous arrivez à vous refaire une petite routine comme ça, même encore moins long chaque jour, ça va vous faire du bien pour votre santé, pour votre morale. D'accord, donc là aujourd'hui, moi j'ai fait ça, c'est juste aussi pour vous donner quelques idées, voilà. Rien d'extraordinaire et vous motiver. Ok, étirement. Allez ici, on va descendre. Là, vous êtes sur les cuisses, d'accord. Et je descends ici. Pensez à bien souffler, bien respirer. Faites des grandes inspirations et des grandes expirations. Je vous laisse au moins une minute comme ça. Ok, ici on va aller chercher vers la gauche, c'est-à-dire les bras qui étaient vers l'avant, on les amène vers la gauche et mon buste il se retrouve sur mon genou gauche. Allez. Ok, vers la droite. Pensez à respirer fort, inspiration, expiration. C'est ce qui guide vos étirements. En avant. Maintenant vous allez faire la même chose ici, vous allez poser les coudes, d'accord, et rentrer au maximum la tête. Posez vos coudes là et rentrez au maximum la tête vers l'intérieur et rentrez la tête vers l'intérieur. Ok, je tends à nouveau. Maintenant regardez ce que je vais faire ici, là ma main droite, d'accord, je vais aller la passer en dessous. Ok, je vais aller la passer là, vous allez revenir un peu sur les genoux. Penchez, vous passez la main droite en dessous, vous allez venir laisser poser ici, d'accord, votre coude, votre épaule ici. Allez, venez laisser poser l'épaule. On remonte ici, pareil avec la gauche, venez poser le coude et ensuite l'épaule gauche. On revient ici, on revient de face ici sur les genoux, d'accord. Là vous êtes là, et maintenant simplement, vous allez très simplement ici lever les jambes et laisser les bras devant, d'accord. Bon là vous pouvez pas bien voir, parce que l'angle de la caméra il n'est pas ouf, mais ici voilà, comme ça, et laissez bien pencher la tête. Ok, maintenant votre jambe arrière gauche. Ici, vous levez la jambe arrière gauche. Et vous allez ramener devant, ici, entre vos bras. Ramenez devant, entre vos bras. Jambe arrière tendue. Ok, super, on la remet derrière, ici. Maintenant, on lève la droite. Inspirez, expirez. Je ramène devant, ici, mon genou entre les mains, jambe arrière tendue. Bien, je remets en arrière ici. Là, d'accord, on est tendu. Position bras tendu.
Ici, je vais descendre tout doucement, coude plié à moitié comme une demi-pompe et on reste. On reste, on reste, on pose le corps entièrement. Là, vous avez le corps complètement posé ici. Menton contre le tapis, le coude le long du corps. Maintenant, les amis, vous allez simplement ici respirer. Inspirer, expirer, d'accord. Et ici, on va remonter juste le buste, mais juste à l'aide du dos. D'accord ? C'est-à-dire là, vos bras, ils poussent pas. Aucune force dans les bras. C'est simplement, vous remontez le buste et vous regardez de face, juste avec les muscles du dos. On y va. On monte. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends. Reposez la tête. À nouveau, juste le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Et je repose en soufflant. À nouveau, j'inspire, je monte. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Maintenant, les amis, regardez ici, je vais relever, mais cette fois-ci très différent. Je vais relever tout le buste en utilisant les bras. C'est-à-dire là, derrière mon corps, il est à plat, d'accord? Et là, c'est tous mes bras qui s'utilisent pour remonter. Là, donc là, je suis là, d'accord? Ici, on était là le long du corps. Je pousse sur mes bras. Et je laisse ici mon buste hein, remonter. D'accord, on y va, on est là. Et on remonte. 1, 2. Remontez bien, levez la tête haut. Et respirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. Ok, à nouveau. Et on y va. 1, 2, 3, 4. 5 et on repose, reposez, laissez bien la tête reposer, les bras le long du corps, une dernière, et top, 1, 2, 3, 4, et 5, et je repose tout, ok, bien, maintenant les amis, ici, à partir de là, simplement, je vais pousser, remonter ici, comme on a fait tout à l'heure, là, c'est-à-dire les jambes derrière qui touchent, là, comme une montagne, faites comme un triangle ici, d'accord, et là vous allez ramener doucement vos pieds jusqu'à vos mains, d'accord. Maintenant ici vous allez essayer quelque chose, d'accord. Simplement vous allez venir attraper vos gros doigts de pied, d'accord. Vous attrapez le gros doigt de pied, ok. Vous attrapez le gros doigt de pied et vous allez remonter à partir de là le maximum en gardant fort appuyé dans vos gros doigts de pied. Si ça se tend pas au max, c'est pas grave du tout. L'important c'est qu'en tenant bien votre gros doigt de pied, vous remontiez à votre maximum tout en respirant, ok. On va essayer. J'attrape mes gros doigts de pied ici et je remonte à mon max. Montez bien, montez bien. Vous allez sentir. Et on souffle. 1, 2, 3. Dix. On relâche ici. Venez mettre maintenant là le dos de vos mains. Venez appuyer le dos de vos mains au sol. Même si vous pliez les jambes. On remonte ici vers le haut, je me recule un petit peu vers le haut et on tire vers l'arrière. Inspirez, expirez. Maintenant je vais descendre en fente avant en tirant comme ça vers l'avant, vers l'arrière, pardon, excusez-moi. Je remonte de face, je descends avec l'autre jambe. Toujours en tirant bien vers l'arrière, en respirant. On remonte ici. On va descendre simplement, attraper vos bras ici. Et vous laissez tomber au maximum le plus bas possible. Et décontracter complètement la tête. Ici, vous décontractez complètement la tête. Et on laisse tomber. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux, hein, c'est pas grave du tout. Ok, touchez vos pieds. Et à partir de là, vous allez remonter tout doucement, vraiment tout doucement, et vous allez dérouler vertèbre après vertèbre. Voilà, vraiment tout doucement, on remonte tout doucement.
Laissez la tête penchée vers le bas. Déroulez bien vertèbre après vertèbre. Voilà, sentez. Ressentez un petit peu. Ici, j'ai la tête. Oh, mais je décontracte même les épaules, les cervicales. Et la nuque. Et voilà. Oh, bien joué, les amis. Oh, c'était super. Bon, et bien, voilà. J'espère que ça vous a plu. Salut Yuva. C'est donc la fin de notre petite séance d'aujourd'hui, qui était donc un circuit training simple. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Voilà, là on a Jérôme qui dit merci. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas, même si c'est la fin. Oh super, Cyril, t'étais là. Je savais même pas que t'étais là. Merci mon frérot Cyril Girard, qui fait partie de notre équipe. Dur, dur, mais merci, merci Alain. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait, ce serait très apprécié de mettre le petit pouce bleu, voilà, juste en dessous, de cliquer sur s'abonner. Et en plus du bouton s'abonner, vous avez une belle petite clochette à côté, si vous pouviez l'activer, ça serait fortement apprécié. Je vais mettre un petit peu le contre mon mur, ça va faire du bien. Donc sachez que j'ai kiffé faire cette séance avec vous. Merci à tous d'avoir kiffé, enfin ceux qui ont kiffé, il y en a qui n'ont peut-être pas kiffé. Merci de l'avoir fait, merci d'avoir joué le jeu. Je voulais aussi vous remercier, tant qu'on y est, d'hier, parce que hier on a fait une très bonne audience, si on peut dire. Bon, c'est pas la télé, mais c'est-à-dire que sur toutes les questions-réponses qu'on a fait, c'était le troisième. C'était la meilleure audience. Donc voilà, après moi j'ai des retours avec Google Analytics, là YouTube m'envoie des stats. Et hier c'était la meilleure audience qu'on a eue, donc ça veut dire que vous appréciez un petit peu le rendez-vous du jeudi 16h, peut-être de plus en plus. Aussi, il y avait Dan qui est venu hier, donc voilà, c'est sûrement aussi ça qui a fait. Mais en tout cas, voilà, le résultat est là, c'est qu'on a fait, pour notre troisième épisode, la meilleure audience sur nos trois émissions Café, Questions-Réponses. Donc on le refera jeudi 16h avec un score, avec un engouement comme vous avez fait là pour jeudi, c'est sûr qu'on le refait. A priori, normalement, je vous reconfirme, mais à 98%, on refait lundi un entraînement de karaté. Là, lundi, c'est bien, c'est que maintenant, on vous donne le vendredi pour faire du circuit training. Lundi, on va envoyer du karaté. Hein. Donc lundi à 17h, entraînement karaté. D'accord, je ne sais pas encore quel est le thème, je vais réfléchir là aujourd'hui ou demain max, je vous donne le thème, je vous donne le lien aussi. Je vous rappelle que les liens, vous les retrouvez, les liens de pré-live, c'est-à-dire qui vous donnent accès directement au live, vous les retrouvez sur mon Facebook, sur mon Instagram ou sur la page onglet, l'onglet communauté sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas qu'il y a aussi un onglet communauté, il n'y a pas que les vidéos, il y a des petits posts, des petites news. Voilà, donc quand vous allez sur ma chaîne YouTube, de temps en temps, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté. Voilà, là je pense j'ai parlé d'Instagram. Ah, t'étais là aussi, les doigts, vous étiez là. Super, avec les parents aussi, bah voilà, magnifique, je suis content parce qu'aujourd'hui, je voulais faire un truc pour tous. Là, je voulais pas parler de karaté aujourd'hui, je voulais que tout le monde puisse kiffer et que chacun essaye. Là, je suis dans mon jardin, il commence à pleuvoir, les amis, vous avez vu. Voilà, je suis resté jusqu'à la pluie, bah ça tombe bien, de toute façon, là, on finit. Et juste, n'oubliez pas de vous abonner aussi à l'Instagram si ça vous dit, @MichaelSerfati. Voilà, je vous rappelle que sur l'Instagram, vous pouvez suivre toute mon actualité en temps réel. Donc là, le prochain rendez-vous qu'on a, c'est donc lundi 17h, entraînement de karaté. D'accord, lundi 17h là, c'est karaté. On parlera karaté, il y aura des coups de poing, des coups de pied, etc. Jeudi 16h, le café questions-réponses qui a super bien fonctionné hier grâce à vous. Encore merci pour hier. Et vendredi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si on le refait, on le refait pas. Et voilà, dites-moi si vous souhaitez qu'on refasse un vendredi circuit training vendredi prochain. Voilà les amis, donc c'était tout. On remercie encore l'équipementier. Hey, salut Lisa, salut Telo News, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir suivi. Vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on refasse vendredi un circuit training. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on remercie tout le monde. Je vous remercie mille fois. Et prenez bien soin de vous. Et s'il vous plaît, pensez à garder une bonne hygiène. Essayez de ne pas manger trop mal. Voilà, enfin, pour être très simpliste. Mais voilà, pensez et gardez la motivation. Gardez la motivation. Ne vous laissez pas abattre. Bientôt, on va sortir. On va se revoir au karaté. Il y aura peut-être des compètes, des trucs. Donc voilà, gardez la pêche, je vous remercie. N'oubliez pas que le replay, parce que je vous rappelle, il y a le replay du café d'hier, le replay du café question-réponse, il est arrivé sur la chaîne et il n'y a pas eu de commentaire. Donc n'hésitez pas à retourner sur la chaîne et mettre un petit commentaire sur le replay du café question-réponse. Parce que vous savez, les replays sortent toujours un jour après. Et donc on aura le replay de ce circuit training donc demain, samedi. N'hésitez pas à les mettre aussi après un commentaire, c'est important. Pas pour l'ego personnel, mais parce que YouTube, il remonte bien et il aime les vidéos qui sont commentées.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'ai kiffé partager ça avec vous et j'espère que ça a pu vous apporter un petit peu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, soit en commentaire ou soit même en message privé. C'est un peu mieux en commentaire parce que, comme je vous dis, pour YouTube c'est bien. Mais si vous avez des retours et que vous souhaitez me les faire en message privé aussi, ça ne me dérange pas. Je vous embrasse tous très fort si vous étiez là et je vous aime très fort. Merci pour tout le soutien et aussi je suis content qu'on kiffe ensemble parce que c'est surtout un kiff ensemble. Voilà, bon vendredi, Shabbat Shalom pour certains, pour les autres, bon Ramadan, Ramadan Karim, et les autres, bon week-end, voilà, je vous aime tous très fort. Au revoir les amis, et bon vendredi, à bientôt. Et merci.